Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui, j'ai à vous proposer une petite séance pour le muscle appelé de l'âme, le psoas. Donc, en fait, ce muscle ne sert pas beaucoup quand on est très sédentaire et qu'on reste très longtemps assis, par exemple devant un bureau. Et il est assez important de l'étirer, de le faire travailler, parce que quand on ne le travaille pas, il a tendance à se tendre, à se rétrécir, et ça occasionne des douleurs dans les lombaires et ça nous oblige un petit peu à se voûter. Donc effectivement, on l'appelle le muscle de l'âme parce qu'il est beaucoup influencé par tous les petits stress de la vie quotidienne. On dit qu'il stocke les émotions. Donc aujourd'hui, on va travailler des ouvertures des hanches pour l'étirer, pour le travailler, pour nous éviter les douleurs et puis pour relâcher un petit peu de tension émotionnelle aussi. Donc j'espère que cette séance saura vous plaire. Je vous attends sur le tapis, à tout de suite. Nous voilà à nouveau réunis ensemble sur le tapis. Je suis ravie que vous vous joigniez à moi encore une fois. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va travailler le psoas. Ce muscle qui, vous le savez peut-être, lie le devant du bassin, les hanches, au lombaire, donc qui traverse l'abdomen. Si vous voulez plus de précision, je vais écrire un bel article sur le blog. N'hésitez pas à vous y rendre, je vais mettre un petit lien juste au-dessus. Ça sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus agréable. Donc on va commencer assis, essayez de bien vous mettre sur le bout des os des fesses, envoyez le bassin vers l'avant et posez les deux pieds bien à plat. On va caler les coudes à l'intérieur des genoux, poser les mains légères sur les chevilles et grandir un petit peu le dos. Et prenez le temps déjà de voir comment vous vous sentez. Les yeux fermés, allongez le souffle. Et voyez quelles émotions vous traversent là tout de suite. Voyez s'il y a du stress que vous engrangez depuis un petit moment peut-être. On va essayer aujourd'hui de relâcher un petit peu tout ça, relâcher les tensions et de repartir un petit peu à neuf. Donc rapprochez un petit peu votre pied gauche de la fesse en gardant vraiment le genou ouvert. Et on va prendre avec la main droite le pied droit et le ramener vers le buste. Asseyez-vous bien à plat. Et vous pouvez rester ici, le dos droit, le pied bien fléchi comme s'il s'appuyait sur un mur. Repoussez un petit peu le genou avec le coude. Ou si vous le souhaitez, si vous pensez que ça sera agréable pour vous, vous pouvez prendre le pied droit et le caler à l'intérieur du coude gauche. Donc attention, ça fait qu'on se voûte un petit peu, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc dès que vous calez votre pied, aidez-vous du bout des doigts de la main droite pour pousser à nouveau le sol et grandir à nouveau le dos, vous hissez à nouveau. Donc là, vous devez sentir exactement là où on veut que ça travaille, dans le haut de la cuisse, la hanche. Et on va venir rejoindre les deux mains sur le mollet. Et doucement, bouger de droite à gauche. Un petit peu comme si on berçait sa jambe. Je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais... Allez-y doucement, respirez bien. Laissez la jambe gauche assez ouverte, sans essayer de trop forcer, laissez-la suivre un petit peu le mouvement. Encore un petit peu. Vous pouvez inspirer vers l'extérieur et expirer vers l'intérieur. Toujours le dos le plus droit possible, les épaules basses, bien entendu. Et au bout d'un moment, le mouvement devient de plus en plus subtil et s'arrête. Et on relâche doucement les mains. On reprend notre pied droit avec la main gauche et on le pose doucement à plat. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Profitez-en pour réajuster votre position, vous grandir à nouveau. Et rapprochez votre talon gauche du pubis, des fesses. Et venez l'attraper avec la main droite. Le rapprocher du buste. Rapprochez toute la jambe vers vous en vous aidant du bras gauche. Et ensuite, rejoignez les deux mains. Calez le pied dans le coude si c'est agréable et commencez à bercer votre jambe plus ou moins rapidement selon
L'envie selon les sensations que ça procure. Et profitez-en pour à chaque expiration vous débarrasser du stress, des émotions négatives que peut-être vous accumulez depuis un petit peu trop longtemps. Et si le mouvement devient désagréable au bout d'un moment, vous pouvez le stopper et juste rapprocher doucement la jambe du buste en vous grandissant. Étendez le ventre. Et si vous êtes toujours en train de vous bercer, doucement laissez le mouvement s'arrêter. Et relâchez tranquillement le pied gauche dans la main droite, puis posez-le au sol. Une dernière fois, on va poser les mains sur les chevilles, pousser les coudes dans les genoux, grandir le dos, les pieds le plus à plat possible. Et quand vous voulez, sur une expiration, laissez tout s'adoucir à nouveau. Et passez doucement à quatre pattes. Nous voilà, à quatre pattes, alignez-vous bien comme d'habitude. Les deux genoux, les deux pieds ne partent ni trop vers la droite, ni trop vers la gauche. On rentre un petit peu le nombril, bien sûr. Et on souffle ici, le regard rentre, les deux mains. Attention à ne pas bloquer les coudes vers l'avant, même si la tension est sur les hanches, plutôt, on va quand même faire attention à ce qu'on fait avec nos doigts, nos mains, nos bras. Et laisser les coudes s'ouvrir un petit peu sur les côtés. Ok. Appuyez-vous fermement sur la main droite, soyez stable. Et sur le genou gauche, le coude pied gauche. On va passer en posture du tigre. Donc prenez le temps, on va le décomposer. En inspirant, décollez le genou, envoyez les orteils vers le plafond et essayez de conserver la cuisse parallèle au sol. Le plus possible. Et vous pouvez rester là si vous le souhaitez, en gardant les orteils bien vers le plafond, bien écartés, les bras solides. Si vous avez envie, si vous pensez que ça sera agréable pour vous, décollez la main gauche et doucement dirigez-la vers l'arrière. Et venez peut-être toucher le bout des orteils. Et vous pouvez reposer si vous le souhaitez. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez faire la posture du tigre complète. Décoller la main gauche, attraper l'intérieur ou l'extérieur de votre pied droit et pousser le pied dans la main en montant le genou, en gardant le regard fixé vers le sol. C'est un peu intense, ça fait monter la chaleur. On ne va pas le tenir très longtemps. Fixez le sol, une dernière grande inspiration. Montez le genou, poussez le pied dans la main. Et en expirant, lâchez doucement, posez la main gauche et envoyez le pied droit entre les deux mains. Une fente très basse, le genou et le coude de pied à plat. Et on va essayer de décoller un petit peu le ventre de la cuisse, de se donner de la hauteur en gardant le genou au-dessus de la cheville, bien aligné. Grandissez-vous et posez vos deux mains légères sur la cuisse. Les épaules sont basses. On peut prendre le temps de bien se centrer, de bien trouver son équilibre. Et puis 5 fois de suite, on va venir faire des pulsations vers l'avant. On va inspirer en se grandissant. Et en expirant, on va s'appuyer sur la jambe de devant sans enfoncer un petit peu dans la posture. Et 4 fois encore à votre rythme. Inspirez en décollant. Et expirez en appuyant. Les mains sont légères. Encore. Les deux pieds bien plantés dans le sol. Une dernière. Prenez le temps. Restez un petit peu ici. Centre, vous appuyez. Et lâchez les mains sur le sol. On va venir écarter le pied droit vers la droite du tapis. Faites sortir légèrement les orteils de votre tapis, gardez le talon posé sur le tapis et venez poser la main gauche à plat
paume complètement sur le sol. Puis à nouveau, grandissez-vous, essayez de décoller un petit peu le ventre de la cuisse. Éloignez-vous de votre genou et posez votre main droite juste au-dessus du genou sur la cuisse. La main et le pied sont alignés. Et on va venir en inspirant, repousser le genou vers la droite et diriger le regard légèrement vers le haut en ouvrant le buste. Nous voici en posture du lézard ouvert. Attention à ne pas mettre trop de poids sur le poignet. Essayez de répartir votre poids entre le coup de pied derrière, le pied droit, les 5 doigts de la main gauche. Respirez bien profondément. Détendez le visage, souriez. Encore un petit peu si vous voulez bien. Essayez d'en profiter pour voir ce qui se passe vraiment dans les hanches. Dernière grande inspiration. Et expirez, lâchez doucement la pression, posez à nouveau les deux mains au sol. Aidez-vous de la main droite pour décoller un petit peu la main gauche et faire des petits cercles avec le poignet. Reposez les deux mains. Restez ici, le ventre face au sol, en posture du lézard. Et ensuite, on va passer en posture du pigeon. Laissez le pied droit se décaler vers la gauche. Aidez-vous du bout des doigts pour soutenir le poids de votre corps. Et ensuite, venez vous installer sur le sol, comme si la cuisse droite voulait se poser. Et attention à ne pas basculer sur votre fesse droite. Je vous l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres vidéos, mais n'hésitez pas à prendre une brique ou un coussin, le placer sous la fesse droite, là, ou le placer sous la fesse droite. Pour éviter de vous affaisser. Essayez d'avoir votre poids vers le milieu du tapis. Le pied gauche bien dans l'alignement du reste de la jambe. Et le pied droit bien fléchi pour protéger le genou. On va ici se grandir un petit peu. Léger sur les mains, les épaules ouvertes. Et vous pouvez rester là si vous le souhaitez. Si vous avez envie, vous pouvez aussi, vraiment juste si c'est agréable, essayer si ça ne vous convient pas, reposer les mains. Vous pouvez aussi doucement dresser le buste, encore un petit peu plus haut, peut-être sur le bout des doigts. Léger, léger. Les hanches vers le sol. Voir, on peut aussi monter les bras au ciel. C'est un peu plus intense. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais n'hésitez pas si ça vous fait envie. Dernière grande inspiration. Et en expirant, on va doucement reposer les paumes bien à plat. Recroqueviller les orteils derrière. Et repasser à quatre pattes. Alignez-vous à nouveau. N'hésitez pas à bouger un petit peu les hanches de droite à gauche pour tout remettre à plat. Et on est parti pour la posture du tigre. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui va bien s'appuyer. Et on va venir décoller le genou gauche, diriger les orteils gauche vers le plafond. Le ventre fait face au sol. On peut rester là, tout à fait, quelques instants, faire des pauses si on le souhaite. Et si vous voulez, décollez la main droite et venez toucher le bout des orteils derrière. Reposez si vous le souhaitez. Et si vous avez envie, recommencez, touchez le bout des pieds et peut-être attrapez l'extérieur, l'intérieur du pied. Poussez le pied dans la main, dressez un petit peu la tête. Attention aux crampes dans les pieds, montez le genou. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans les hanches, respirez dans les hanches. Encore un tout petit peu. Et expirez, posez la main droite et envoyez le pied gauche entre les deux. Installez-vous en fente basse. Et une fois les deux pieds bien à plat, décollez le ventre de la cuisse.
Attention, regardez le genou au-dessus de la cheville. Et on décolle bien le ventre, on se grandit. On souffle. Et 5 fois de suite, en posant les mains légères sur la cuisse, on va expirer en poussant vers l'avant. Inspirez en remontant. Et expirez en descendant. Encore. Une dernière, on va rester un petit peu en bas. Attention à ne pas vous décaler. Restez bien centré au milieu du tapis. Une dernière grande inspiration. Profitez-en bien pour diriger l'énergie dans les psoas. Concentrez-vous sur toute la zone. Et expirez, lâchez les mains sur le sol. Et décalez votre pied gauche. On va faire le lézard ouvert de ce côté. Donc la main droite va venir se poser, aligner avec le genou droit et le pied gauche. Autant que faire se peut. Et on va décoller la main gauche, la poser en haut de la cuisse, juste en dessous du genou, vers l'intérieur. Inspirez ici, installez-vous. Et expirez. Appliquez une petite pression sur la cuisse. Regard vers le sol pour plus de stabilité. Ou regard légèrement vers le haut pour s'ouvrir encore. Profitez de chaque expiration pour relâcher quelque chose qui ne vous sert plus. Et chaque inspiration pour repartir à neuf. Oubliez le stress, l'anxiété. Une dernière grande inspiration avant de passer en posture du pigeon. Et en expirant, on s'installe. Prenez votre temps, hein, si vous nous rejoignez plus tard, il n'y a aucun souci. Le pied de gauche se décale et on s'installe. Ça peut être différent sur cette jambe. Essayez malgré tout de faire bien attention à vos pieds. La brique peut toujours être utile sous les fesses, sous la fesse. Et on va rester très haut ici, on ne va pas venir s'allonger sur le sol, sauf si ça vous fait envie. Encore une fois, ce ne sont que des suggestions que je vous fais, bien entendu. Donc on va essayer de se repousser avec le bout des doigts, grandir le dos. Ancrez-vous. Ne laissez pas retomber tout le poids des hanches sur votre jambe gauche. Retenez-vous un petit peu. Mais malgré tout, sentez-vous peser sur le tapis. Sentez l'attraction de la terre. Et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi se dresser sur le bout des doigts, vraiment très très haut, en gardant la cuisse droite vers le sol. Attention aux crampes. Respirez bien. Et même si on veut, monter les bras au ciel. Allez, une dernière grande inspiration, si vous voulez bien. Et expirez, reposez. Les mains à plat. On va passer en pied tête en bas, recroquevillez les orteils du pied droit derrière. Appuyez-vous sur chacun des 10 doigts et faites se rejoindre les deux pieds. Bougez un petit peu les hanches vers la droite, vers la gauche. Appuyez un petit peu les épaules malgré tout et les talons. Et puis immobilisez-vous un petit peu. Plantez le talon gauche, montez le talon droit, étirez un petit peu la jambe vers le haut et expirez, posez le pied droit entre les deux mains. On ne va pas poser le genou puisqu'on va tout de suite passer en posture de la déesse. Faites face à l'avant de votre tapis, vers l'avant de votre pièce, posez les deux pieds,
ouvert de chaque côté sur la même ligne. Les mains sont bien à plat et on baisse les fesses au maximum. Et une fois que vous êtes bien à plat, bien ancré, gardez les fesses le plus bas possible et doucement, montez les bras. Ok, expirez. On va venir bouger un petit peu ici, on ne va pas rester en statique. On va inspirer, s'étirer un peu plus vers le haut. Expirez, pliez les bras. Angle droit au niveau des coudes. Puis inspirez, montez les bras, tendez les jambes. Et expirez, pliez à nouveau. Et penchez vers la droite. Tendez le bras gauche. Puis le bras droit va se tendre vers la gauche, lui. Et on va emmener les deux mains de chaque côté, complètement opposées. Inspirez, remontez tout, tendez tout vers le plafond. Expirez, pliez, angle droit au niveau des coudes. Inspirez ici. Et expirez, penchez vers la gauche. Le bras droit se tend, étire le côté droit. Et la main gauche file vers le genou droit. Ok, inspirez, remontez. Tendez tout. Et expirez, lâchez les bras. Génial. On va faire les triangles maintenant. Toujours concentré sur les psoas. Ouvrez complètement votre pied droit vers l'avant du tapis. Le pied gauche devient perpendiculaire au pied de devant. Et basculez les fesses vers l'arrière. Le côté droit du buste va vers votre cuisse droite. La main s'arrête où vous le souhaitez. Et le bras gauche s'étire vers le plafond. Donc cette posture, est, enfin pour moi, ça a été une des postures la plus difficile à apprendre au début. J'arrivais pas à sentir le côté agréable du tout, du tout, du tout. Donc n'hésitez pas à y aller très progressivement. Si vous débutez, vous pouvez tout à fait être ici, sans problème. N'hésitez pas à prendre une version un peu plus soft que celle-ci par exemple, où on lévite au-dessus du sol. Ça vient vraiment progressivement. Et puis aussi, on a tendance à vouloir emmener les fesses vers l'arrière pour descendre plus le buste. Forcément, c'est plus facile. Donc je préfère que vous soyez un petit peu plus haut avec le buste, mais que vous rameniez bien la hanche vers le milieu, comme si tout s'alignait. Voilà, c'est dit. Détendez le visage, souriez. Je suis désolée pour ceux qui sont toujours en posture et qui la tiennent. Tenez bon. Inspirez une dernière fois ici. Et expirez, le bras gauche va descendre, rejoindre le bras droit. Les deux pieds vont passer parallèles l'un à l'autre cette fois-ci. Et le triangle va se retourner. La main gauche reste au sol ou sur la jambe ou sur une brique par exemple. Et le bras droit s'étire. Donc là, pas la peine de le monter très très haut. Appuyez le talon gauche vers l'arrière. Et poussez toujours les hanches vers le milieu du tapis. Tout se resserre sur la ligne qui passe au centre du tapis. Grande inspiration à nouveau. Éloignez les épaules, les oreilles. Détendez la jambe droite. Relâchez la rotule. Laissez-la souffler un peu. Et expirez quand vous voulez. Descendez le bras droit. Les deux mains encadrent le pied droit à nouveau. On essaye de les poser à plat. Si vous voulez plier le genou, allez-y. Et passez en chien tête en bas. Bien sûr, on va refaire de l'autre côté les triangles. Soufflez un petit peu ici, en posture du chien tête en bas. Allongez le souffle. Profitez de l'inversion pour laisser l'esprit se relâcher, voir votre journée, votre semaine sous un nouveau jour. Et quand vous le souhaitez, le pied gauche va venir se poser entre les deux mains. Et on va tout de suite passer en posture du triangle. Posez le pied droit perpendiculaire à votre pied gauche. Tendez la jambe gauche et cette fois-ci, pour prendre la posture, ouvrez le bras droit vers le plafond, comme si vous bandiez un arc. Et encore une fois, la main gauche se pose là où vous pouvez, du moment que vous poussez le bassin vers le milieu du tapis. Détendez le cou.
Plantez bien les deux pieds. Soyez vraiment solide sur les jambes. Et si vous êtes là, c'est la même chose. Ok, on va faire le triangle de l'autre côté. Une dernière grande inspiration ici. Profitez-en au maximum. Et en expirant, le bras droit descend. Les deux pieds deviennent parallèles l'un à l'autre. Et on vient pivoter de l'autre côté. La tête se tourne. Les doigts de la main droite sont légers à l'intérieur du pied gauche. Et c'est le bras gauche qui s'ouvre. Encore une fois, n'hésitez pas à attraper une brique. Serrez les deux jambes vers le milieu du tapis. Dernière grande inspiration. Essayez de tenir l'équilibre. Si vous avez besoin, écartez un petit peu les pieds sur les côtés du tapis. Et expirez, lâchez le bras gauche. Posez les deux mains sur le sol. Faites se rejoindre les deux pieds et posez les genoux. On va venir se poser sur le sol. Prenez le temps pour vous installer confortablement. Ah oui. Et on va faire un petit peu les essuie-glaces avec les genoux. Ils vont tomber d'un côté, puis de l'autre, et les pieds suivent le mouvement. À la vitesse que vous voulez, prenez le temps. Il nous reste trois petites postures. Donc reposez les pieds à plat, collez tout le dos. Ici un petit peu le bassin pour que vraiment le creux des reins s'élimine. Ok, vous êtes bien à plat? Eh bien, on va décoller les pieds et les ramener ramener les mollets parallèles au sol. Et on va placer les mains juste derrière les cuisses. Un peu comme si on faisait la posture du bateau. Et attention, on va s'agripper légèrement aux cuisses sans trop se crisper. Inspirez ici. Et expirez, décollez la tête. Ramenez le nez vers les cuisses en ouvrant un petit peu les épaules. Les jambes restent légèrement souples, pas crispées, le visage non plus, la mâchoire non plus. Et sur une expiration, on repose doucement les épaules, la tête et les pieds. Les mains à plat. On va venir prendre la posture du demi-pont. Donc on appuie bien les épaules, le dos, les pieds, les mains, l'arrière de la tête. Et tout va se passer dans le bassin qui, sur une grande inspiration, va monter vers le plafond. Décollez les fesses, gardez les jambes parallèles l'une à l'autre et poussez le sternum vers le menton et pas l'inverse. Et là, on ne cherche pas trop l'ouverture du buste, donc on ne cherche pas à trop coller les omoplates ou à monter outre mesure. On pousse surtout le bassin. Respirez bien. Tenez la posture autant de temps que vous voulez. Relâchez un petit peu les muscles des fesses. Et quand vous le souhaitez, roulez doucement le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. En retenant un petit peu votre poids. Laissez le poids du corps s'affaisser un petit peu dans le sol. Et encore une fois, inspirez, montez le bassin. Dirigez votre attention vers le psoas, vers les hanches, jusqu'au bas du dos. Une grande inspiration, continue à pousser vers le plafond.
Sur une expiration décidée de lâcher prise et de reposer tout sur le sol. Relâchez les muscles une fois que tout est posé et venez coller les plantes de pied l'une à l'autre, Suptabhadha Konasana. Posez les mains juste à la naissance des cuisses, au niveau des os des hanches. Collez le dos le plus possible. Si jamais vous n'arrivez pas à éliminer le creux des reins, mettez une couverture sous votre dos, soutenez-le. Et soufflez ici. Essayez de prendre soin de ces muscles de l'âme. Surtout parce que les étirer vous fera beaucoup de bien au quotidien. Surtout si vous êtes souvent assis, si vous avez un travail un peu sédentaire, si vous êtes stressé, anxieux. Toutes ces postures vous feront énormément de bien. N'hésitez pas à y revenir sans cesse, dès que nécessaire. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Prenez la posture du cadavre pour souffler un petit peu, si vous voulez. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, ou bien à tout de suite sur mon blog, si vous voulez en savoir un petit peu plus, avec l'article de la semaine. N'hésitez pas à vous y rendre et à partager surtout la chaîne, une vidéo que vous avez bien aimée ou un article qui vous a plu. C'est toujours un plaisir. À très vite.